Salut, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui, on se tape notre nouvelle information, une fois de plus, du côté du Mali. Dans le sillage de l'escalade des tensions diplomatiques entre le Mali et la France, Air France a annoncé la suspension de ses vols à destination de Bamako jusqu'à la fin du mois d'août. Dans la foulée, les autorités maliennes ont renforcé le clou en suspendant l'autorisation d'exploitation du transporteur français pour toute la saison d'été, soit jusqu'en octobre. Une situation déplorable dans laquelle les centaines de passagers lésés traversant un moment de forte turbulence. De jour en jour, les tensions montent de plusieurs crans entre les autorités maliennes et françaises. Et, tel un effet de domino, les entreprises représentant, voire ressortissants des deux pays se sentent impliquées. Les deux derniers cas en date sont la suspension réciproque de visa et celle de désert des deux capitales par la compagnie aérienne Air France. Intimement liée, la suspension des visas et des vols entre les deux pays ont de fortes répercussions négatives sur les ressortissants de ces deux pays qui se regardent en chien de faïence. Ce vendredi du 8 août, soit une dizaine de jours après la mesure prise par Air France, le constat était encore visible devant le siège de la compagnie française à Amdoulaye ACI 2000 de Bamako. C'est une véritable longue file qui faisait la queue pour pouvoir accéder aux locaux du transporteur aérien dans l'optique de mieux se renseigner afin de pouvoir prendre les mesures qui s'imposent, car selon certains passagers, impossible de se renseigner à distance. Restez toujours courtois en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager et surtout de vous abonner.